La semaine dernière, nous avons découvert la montagne avec Cathy, une skieuse de haut calibre, et avons cassé de la glace. Fernie n'en a pas fini avec nous. SkiMag est une présentation de eWall. Activez la chaleur. Merci à Supernatural British Columbia, destination BC et Tourisme Fernie. Bonjour, pour notre deuxième journée ici à Fernie, on a un guide très spécial, Drift Camp. Bonjour, mon chien. Non, on ne skiera pas avec Griff toute la journée, mais on va skier avec un patrouilleur de la place qui s'appelle Gabriel Côté-Valiquette. Restez avec nous, je vous le présente à l'instant. Gabriel, je vois que tu viens de Montréal. Absolument. Ça fait longtemps que tu es ici à Fernie? Ça fait 3 saisons. Puis, comment t'aimes ça? J'adore ça. J'ai déménagé dans l'Ouest quand j'avais 19 ans. Ah oui, dans l'Ouest depuis ce temps-là. Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais dans l'Ouest? J'ai étudié ici, c'est pour ça que je suis venu. J'ai étudié le tourisme d'aventure. Après ça, j'ai voyagé un peu, j'ai travaillé. J'ai vécu en Islande pendant 5 ans. Puis après ça, j'ai rencontré ma femme. Puis on s'est mariés, on a eu des enfants. Puis on a décidé de s'établir à Fernie. L'hiver, bien entendu, on sait que tu fais la patrouille. Qu'est-ce que tu fais l'été? Je travaille pour Tourism Fernie, donc encore dans le domaine du tourisme. Pas en ski, évidemment. Yeah, thank you so much. Bye-bye. Fait qu'ils viennent d'ouvrir la Lizard High Traverse. Fait que, tu sais, il y a comme un champ de poudreuse oui. Entre la Lizard High puis Tower 6 Road. Hier, c'était juste ouvert à Tower 6 Road. On avait un stop sign hier en après-midi. Fait qu'il va y avoir une section où il va y avoir la poudreuse. Il n'y a personne qui est skié à date. OK. Là, ça vient d'ouvrir ouais, comme c'est ça. Puis là. Il y a personne. Puis, qu'est-ce qu'on fait en train de jaser? Là? On y va. C'est parti. On monte 2 chaises pour se retrouver en haut de Great Bear Express à 1690 mètres d'altitude. Alors, on va commencer dans quoi? Lizard Bowl? Dans Lizard Bowl. On prend la Lizard High Traverse. Oh, la neige fraîche! Première trace! Woohoo! Oh, c'est beau! Magnifique! Oh, quel fun! Ah, c'est une belle ligne quand même! À partir de la traverse, on a accès à plusieurs lignes. Le fond est un peu durci, mais la nouvelle neige du dessus rend la glisse super bonne. Ça a vraiment l'air épeurant. C'est-tu ouvert, ça? Non, c'est jamais ouvert au public. Ah, OK. Alors ça, c'est « permanently closed », comme ils disent. T'as tout compris. Mais les gens skient cette ligne-là directement. Ça s'appelle « Richards ». Ça a déjà été skié cette année. Mais évidemment, ça va plus se remplir au printemps. Ouais, ouais, ouais. Puis, cool. C'est pas permis, mais les gens le font. Mais ça se peut-tu qu'il y ait une autre section qui ressemble à ça de l'autre côté qui ouvre une oui. fois ou 2 fois par année? Oui, la face Curry, le Curry Headwall. Puis justement, là, on va aller l'autre côté de la montagne, au New Side, puis on va avoir une belle vue. En se rendant au bas de la montagne pour traverser sur l'autre bol, on avait repéré un champ de poudreuse pas complètement tracé. Une belle crête bleue où nous avons laissé nos traces.
Wow, Gabriel, j'ai adoré ça. C'était juste assez pentu hein, pour la neige. Puis c'est large, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre parce que c'est un couloir avalancheux, donc c'est une piste qui a été créée naturellement ici. OK, alors c'est pas la station qui a fait ça. En tout cas, la nature fait bien les choses. Absolument. Puis c'était quoi le nom de la piste? La Cascade. Cascade. Une autre piste bleue, la Chinamite, nous ramène à la base de la montagne, au village, afin de découvrir un autre secteur de Fernie. Là, on s'en va au New Side, du côté Timber. On va prendre la chaise Timber Bowl Express, puis on va aller manger un peu, hein? Je pense qu'il est temps. Où est-ce que tu nous amènes manger? Au Lost Boys. The Lost Boys. Ça, c'est, si je me souviens, là, la vue de là est magnifique. Hein? La vue est incroyable. Ouais, hein? Restez là, on poursuit notre voyage à Fernie après la pause.
Est-ce que ça c'est facile de se refaire une communauté quand tu arrives dans une nouvelle ville là, comme Fernie pour toi là, il y a 3 ans? Je dirais que oui, parce que tout le monde ici fait du ski. Tout le monde fait des sports de plein air comme du vélo de montagne, du kayak, du rafting. Alors, on partage beaucoup de choses en commun. C'est très facile de se faire des amis de ce côté-là. Pour la grandeur de la ville, tu sais, c'est pas grand, Fernie. Il y a pas mal d'événements en ville. Les gens sont très sociaux. Alors, quel côté, Gab? À droite. On va aller se réchauffer un peu. Ouais, mais avant de me réchauffer, moi, je suis pas si pire. Je vais aller voir la vue. C'est bon, t'es fait fort. On est bien habillé. Wow, c'est vrai que c'est beau ici, hein? Très beau. La vue est panoramique, on voit partout. Mais toutes les sommets. Tu me diras, Gabe, c'est toi qui es l'expert en météo, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait un front de neige qui est en train de rentrer? Souvent, ce qui arrive ici, c'est qu'on a une masse d'air chaud et humide qui vient de l'océan, du sud-ouest, qui interagit avec la masse d'air froide continentale. Fait que c'est le front qui fait en sorte que souvent ici, on appelle ça le Fernie Factor. On reçoit plus de neige que dans les environs. Alors d'ici, on voit vraiment là, un grand panorama avec... comment il s'appelle ce siège-là? Ça, c'est le White Pass. Puis ça s'en va jusqu'à Polar Peak, ouais, qui est l'autre télésiège. Puis de là, là, c'est vraiment cette espèce de face de singe là, qui a l'air impressionnante. Puis tu me disais que ça ouvre, ça, des fois? Exactement. Le Curry Head Wall, ça ouvre plus au printemps, quand il y a le plus de neige possible. Puis ça, c'est très intéressant. C'est pour les skieurs experts, évidemment, triple losange. C'est spectaculaire quand ça ouvre. Puis l'accès est par Polar Peak ou il faut marcher en rando? On prend Polar Peak puis on traverse le long de la crête à partir d'en haut. Wow! Puis ça skie, là, c'est les lignes là, qu'on voit, là. T'as tout compris. Hey, c'est fou! L'as-tu déjà fait? Ben oui. Ben oui, c'est sûr! C'est sûr! Depuis le sommet, on peut basculer dans le Lizard Ball par des chutes double noire. Entre autres par le saddle, le higher saddle, et même par le corner pocket, où il y a des pneus. Des descentes qui donnent des sensations vertigineuses. Alors, un petit quiz, c'est quoi le nom des montagnes, des sommets? Mont Fernie. OK. The Three Sisters. Ouais. Puis l'autre montagne qui a un nom anglophone. Hosmer. Hosmer. Puis entre les deux, il y a le mont Proctor. Puis c'est d'ici qu'on voit vraiment là, la proximité de Fernie, de la montagne, du village de Fernie. Ben oui, c'est ça. On voit la rivière qui méandre le long de la vallée. À la soupe aux Lost Boys. Un macaroni au fromage et porc effiloché, pas piqué des vers. Sway. Fernie, c'est pas juste des bols, il y a aussi des steeps dans le bois. Alors Gabe, t'as décidé que t'allais nous faire digérer nos pentes, toi? Oui, alors là, on s'en va à un endroit qui s'appelle Morning Glory. Morning Glory, but in the afternoon. In the afternoon. Oh, c'est beau ici. Ouais, alors bienvenue au Morning Glory. Ce secteur-là, ça nous amène à la Falling Star. Puis souvent, on est un peu plus à l'abri du vent ici, donc j'espère que les conditions vont être belles. Est-ce que là, on bascule vers Siberia Bowl? Tout à fait. Siberia Bowl, c'est ce qu'on voit en face. Et ça, c'est le dernier bowl qui est complètement à gauche quand on regarde le plus la station à partir du bas. Absolument. Morning Glory est une piste de losanges noirs parsemée de beaux grands arbres.
que c'est beau ici! Oh oui! Voici maintenant notre chronique équipement. Frédéric, tu es ici pour me parler d'une innovation dans le ski, Ski Mojo. Qu'est-ce que c'est? Le Ski Mojo, c'est un exosquelette qui va vous permettre de faciliter votre skiabilité. Vous allez avoir de la conduite avec vos skis, vous allez supporter votre poids. Donc, les problèmes de musculation au niveau de vos quadriceps, les soucis que vous pourriez avoir avec les genoux vont pas mal disparaître. Donc, vous allez retrouver une nouvelle jeunesse puis avoir du plaisir sur le ski. Alors, tu me l'as installé, je sens déjà là, que c'est comme si mes quadriceps sont devenus forts. Là. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, je vais avoir plus de force sur mon ski, en plus de sauver mes articulations. Exactement. En fait, le principe de cet exosquelette, c'est un gros ressort qui a différentes densités. On peut choisir, il y a 3 ressorts sur le marché, et on va le comprimer. Donc, le fait de le comprimer, on va retenir le poids. Vous allez pouvoir jouer comme un vélo électrique. Vous allez pouvoir avoir plus ou moins d'assistance sur la retenue de votre poids. Une fois que le ressort, finalement, va se décomprimer, va s'étendre, vous allez avoir une conduite de votre ski. Oui, aussi, le gros avantage de ce, on va dire, de ce ressort, c'est que ça va être utilisé comme un amortisseur. Ça va absorber toutes les vibrations. Donc, des neiges un petit peu difficiles ou de la micro-vibration vont être absorbées par ce ressort-là. Donc, oui, le confort de votre genou et puis, bien sûr, des muscles par rapport à votre retenue de poids. Alors, par ton explication, je comprends que ça peut être particulièrement utile pour quelqu'un qui a des problèmes de genoux, mais aussi des gens plus âgés qui voudraient prolonger leur sport préféré. Ça, c'est un miracle pour eux, là. C'est un miracle. Avec le Ski Mojo, ils vont pouvoir prolonger, effectivement, ce plaisir qu'est le ski. Alors, j'ai vu sur YouTube, en faisant Ski Mojo, ça se fait. J'ai vu un directeur d'école de ski faire 1800 mètres ou quelque chose comme ça, là, sans arrêt, là, d'en haut en bas. Là. C'est impressionnant. Là. Les humains ne peuvent pas faire ça normalement. Non, c'est les tests qui ont été faits ou des personnes qui sont plus âgées. On a un monsieur qui fait plus de 80 ans puis qui skie en Europe. Et comme il dit avant, je skiais une demi-journée. Aujourd'hui, je suis capable de tenir une journée. On va repousser une certaine fatigue. Donc, lors d'un voyage, la deuxième journée, on va un peu plus fatigué. Ski Mojo va compenser pour dire, ben regarde, je vais éviter un petit peu un accident aussi. Ski Mojo vient de France. En Europe, c'est déjà maintenant en marché. On en voit de plus en plus. Ici, au Québec, c'est en introduction. Il y a des magasins qui sont situés en montagne, qui font comme les skis, en fait. C'est une partie démo. Donc, c'est certain que si vous regardez un peu, si vous allez sur Internet, vous allez voir 92 % des personnes qui essayent un Ski Mojo, qui ont besoin d'un Ski Mojo, qui ont vu l'utilité d'un Ski Mojo, vont l'acheter. Donc, le côté démo fait que je l'essaye, je l'achète, et puis c'est du plaisir assuré pour du plus long terme. En tout cas, Frédéric, tu piques ma curiosité. Je vais l'essayer sur neige. Et puis, à notre prochaine émission, je vais être capable d'en parler. Je pense que c'est une belle innovation. C'est un plaisir de skier avec ça. Et puis, oui, c'est de la facilité de ski. Alors, vive la France pour ça. Merci beaucoup, Michel. Merci, Frédéric. Merci, Michel. Puis, bon ski avec notre Ski Mojo. Merci.
La neige dans Morning Glory était tellement belle que nous sommes remontés pour la refaire. C'est pas une bonne descente, hein? Je sais que ça doit être un bon 400 mètres, ça. Oh non, je suis triste. C'est déjà nos derniers virages en Colombie-Britannique. Mais en tout cas, on est vraiment content de savoir que le Québec est très bien représenté à Fernie. Merci à toi. De rien, ça m'a fait plaisir. Super. Miguel, nous, on va en ville? Eh oui! OK! C'est pas fini! C'est fini, mais c'est pas fini! Hey, Michel! Je viens de penser à ça. Regarde, le Bosch Shuttle. Un arrêt d'autobus, on peut aller downtown Fernie, c'est gratuit à toutes les heures. Ah, on prendrait pas notre voiture? Si jamais on décide de prendre une petite bière, ça pourrait. Il est à toutes les heures. Fait que, c'est pratique, puis c'est pas loin, hein? C'est 7 minutes, je pense, le centre-ville. Oui, puis au pire, on mangera là. Parfait. OK, on attend. Ah, elle est là. Direct de ski ride. En direct de Fernie, voici. Perfect. We can close the door now. Oh, tell me. I hear you got some powder today. Oh, we did. Awesome. Actually, lots of powder. Oh, yeah? Christine, we're in the heart of downtown Fernie. This is where you live. This is where everything's happening. You like it here? I love it. This is one of my favorite parts of the community. We're in historic downtown, so you just have incredible turn-of-the-century architecture, the hub of all the cafes and restaurants and nightlife. And so it's perfect that you can join me here tonight. If you invite people in Fernie and they want to go skiing, do you steer them more like downtown or at the village? It's two good options, really. Well, you know, that's the beauty of Fernie, is that there's ski in, ski out, slopeside accommodation right at the base of Fernie Alpine Resort. But then people that want to be, as you mentioned, a little closer to the heartbeat of Fernie. I mean, the dining options are in both places. We had food at Cirque. It was so wonderful. So they're good options in both ways, right? Absolutely. You know, up on the mountain, you've got your après-ski scene that's like really close with the Grizz Bar. You know, you've got the elevated dining at Cirque Restaurant. And then you get down into the town of Fernie and we have, you know, over 30 different restaurants and cafes and bars. And so you've got flavors from, you know, Asian fusion to Italian to, you know, good old Alberta and BC steaks and local flavors. Yes, of course, we're talking about food, but there's also shopping. Absolutely. So, you know, here, the beauty is you're finding some really boutique and bespoke type shops. You need to get your ski gear, your snowboard gear, but in terms of just, you know, like local artisan goods, things are really unique to BC. And certainly, you know, you could spend an easy afternoon just wandering up and down the downtown. When we skied in the last few days, I mean, we heard a lot of Quebec, like French-Canadian, mm-hmm. being spoken on the mountain. Yep. So obviously there's a good community here, and I think they like it here in the city, in the town, right? Oh, absolutely. Well, my husband's from Quebec. But certainly I would say, you know, we welcome a lot of our residents, but guests from Eastern Canada. The appeal of the big mountain experience, the deep powder, and then we've got just such a really warm, strong community that's here in Fernie. So it seems like we've passed the message to people. Come for a week, maybe you'll stay for a lifetime. There you go, there you go. We'd love to have you, yeah. Christine, thank you so much for having us. You're a wonderful host, and thank you, Fernie. Awesome, my pleasure. Man, you made it look easy, but the powder's not that easy to ski in there. This was like, Christine nous invite au Tap House de Fernie. Après vous, mademoiselle. Ici, c'est une ambiance décontractée. C'est une super place pour décompresser avant de repartir pour un autre voyage.
C'est déjà la fin de notre séjour dans cette belle Colombie-Britannique. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Depuis le Tap House à Fernie, bon ski, à la semaine prochaine! Toute l'équipe est très fière de skier sur Ferréol 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Auclair, fièrement canadiens depuis 1945. Merci à nos nombreux partenaires. SkiMag vous a été présenté par eWool. Activez la chaleur. SkiMag a été rendu possible grâce à Supernatural British Columbia, Destination BC et Tourisme Fernie.